guerre est-elle aussi laide que les poètes le disent? Nous n'avons pas dû lire les mêmes. Voici la réponse du prince. Étrangement, elle ne s'adresse pas à la princesse, mais à toi, femme de Louis. Jardinier, je t'écris comme à mon plus fidèle ami. Tu exécuteras les ordres de cette lettre sans rien dire. Demain, à l'aube, prends une hache et tue l'enfant nouveau-né. Arrache sa langue et ses yeux que tu garderas pour preuve. Non, je ne pourrai pas faire cela! Je tuerai une biche à la place et je prendrai sa langue et ses yeux. Quant à la mère, j'attacherai son enfant sur son dos et lui dirai de fuir dans la forêt. L'ange gardien veillera sur elle. Est-il possible que la guerre ait changé à ce point le prince? Où est l'enfant qui piétinait mes semis?